Miki, ou qu'a commencé répondre, est-ce qu'on va penser arriver du Valais dans pays à son honte pour quand c'était tout le fait bon dans pays ça le de président et comment on va pas attaquer problème bon ici avant monter plus haut qui j'ai pas attaquer problème yo dans pour problème qui faut qui poser dans zone Delma etc avant aller arriver dans les hauteurs. Non, ça a été deuxième question. Mm-hmm, oui, tout à fait. Premier, rappel pour. Première question, c'était Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier, monsieur Tabdi, est-ce que c'est pas en honte parce que pas grand-rien de nouveau que n'est-ce que fait. Ça, c'est ce qu'on voulait, qu'on va voulait. Et nous ne va pas entrer dans le régime Duvalier, mais n'a pas entré. Et pour faire la comparaison, c'est vrai, il a dit que rien de nouveau. Bon, je disais tantôt qu'il y avait la liberté de la presse. Hein. Donc, c'est un acquis depuis. Mais sous en termes de, par exemple, immeuble ou bien infrastructure, ou t'as là, ou l'autre aïe un port, ou t'as l'autre barrage, ou bien encore même au niveau économie, et je crois qu'on a régressé depuis. Et bien sûr, j'ai parlé de certains acquis de la démocratie. Et encore, je crois que c'est justement problème de jeunes à vivre Kounia qui fait que yo même dit, puisque vous n'avez pas vu, il y a des jeunes qui partent là à l'époque de Duvalier, mais qui montrent support au président Duvalier quand même. Ça veut dire que et c'est plus des mondes, même leur patron et régime Duvalier, mais ils ont tellement pas aimé les conditions dans lesquelles ils vivent là. Ils ont dit que ils ont montré une certaine sympathie quand même, parce que justement, ils n'ont pas content de ce qu'ils ont fait de nos voulants, parce que le monde n'a pas besoin de savoir pour comprendre que les conditions à vivre aujourd'hui sont des conditions quasiment inhumaines. Deuxième question, on parlait de la reconstruction. Qui vient pas faire reconstruction? Je crois que l'important, pour nous t'as toujours une deuxième question à troisième. Non. Puisque deuxième, non, c'est la reconstruction. Comment est-elle possible, sans parler de drainage ou de problèmes en hauteur? Et qui relie tout à problème d'énergie, éducation, centrale électrique, raffinerie, santé, renforcement des institutions d'État. Où est-ce qu'on allait trouver l'argent pour faire tout ça? Ah. Reconstruction, je l'ai bien dit, moi je pense que une ville qui détruit tant qu'on prend au prince, côté qu'on prend le besoin des milliards de dollars pour fonds déblayage, j'ai suggéré moi dans mon programme que la reconstruction commence à travers le pays. À travers le pays, donc particulièrement en dehors de Port-au-Prince, donc particulièrement dans les villes de province. Côté que premier problème, il y a un problème justement, commencer par de assainissement, de drainage et comme là tout entrer au travail, pendant que souvent avec même comme ça dans Port-au-Prince, on va parler de déblayage avant. Donc on commence à passer dans déblayage et pour déblayer Port-au-Prince, on parle de 2 milliards de dollars pour déblayer Port-au-Prince. Imaginons que 2 milliards de dollars, ça, on peut investir dans des villes telles que, excusez-moi, et au Coteau, Rochambeau, aux Anglais, Tiburon, et puis ou tout développer ville là, on balle justement au développement durable, ou créer, ou mettre l'école dans la zone, non, ou mettre infrastructure, énergie, et centrale électrique, côté quoi, créer emploi, tout, vous comprenez? Et encore une fois, côté n'a bon argent, puisque c'est la troisième question, hein, et des centres de santé aussi, ou du moins un centre de santé par exemple, au moins, dans une zone. Et puis, côté n'a bon argent, pas oublier qu'il y a beaucoup d'argent qui est là justement. Pour le déblayage, déjà, il y a un seul, j'ai lu sur les journaux, et qui a une ONG qui a reçu, par exemple, 98 millions de dollars pour le déblayage. Il dit de dépenser 68 déjà. Donc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Est-ce que l'argent est bien dépensé? Et on ne sait pas. Est-ce que l'argent fait ça, que vous le faites? On ne sait pas. L'essentiel, c'est que on ne voit pas trop les résultats. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai toujours insisté que nous-mêmes n'avons imposé résultats. Une fois qu'on impose des résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rentrer dans un projet ou qu'on a l'argent que vous avez dépensé, tout le monde a carré ça que fait avec. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que sur 10 milliards de dollars qui auraient été promis à Haïti, on dit que on pousse 10% déjà, ce qui nous ramène à au moins 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est parti d'argent. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on me montre et ce qu'on a fait de cet argent, qui ça va faire l'argent, ça, je vous dis, et m'a demandé si vous avez montré mon bagage. Donc, est-ce que gain l'argent? Moi, je pense que dans les dernières 20 années, Haïti n'a jamais recevoir autant l'argent qu'on s'accueille en vent. Parce que en vent, il y a 20 millions d'euros, 35 millions d'euros, 400 millions, 200, 300, 500. Des fois, autant de 150 disparaître. Tout le temps, autant d'un pile qu'on disparaît. Personne ne dit rien. Nous pas imposer des résultats. On ne devrait pas de la transparence. Nous pas essayer et appliquer des sanctions contre mon cap volé.
et c'est là que tout problème pays a résolu. Quel matériel? C'était qui sa première partie? Et valeur morale qui a pu disparaître et qui sont comptés faits pour la population en confiance et puis problème de sécurité. Valeur morale, je crois que premièrement, à travers l'éducation, il faut prendre place yo, et à travers parents, tout parents ont un travail pour le faire. Et à travers l'éducation, par exemple, on a parlé de les choses les plus élémentaires. Si on prend par exemple l'école de Gwan, on va apprendre nos civisme, coussailles disparaître, patriotisme, respect et l'un pour l'autre, et le partage, l'amour, des valeurs que on apprend soit dans la religion, soit encore l'école, soit dans la famille, ok. Donc quoi que nous piétinons chaque jour, son problème nié, et c'est ça que tu as l'air, on a noté que je parlais de famille, ou donc quoi que c'est le premier côté où on apprend vivre à monde, c'est le premier côté où on apprend à dire merci papa, pardon papa, on apprend et modèle bavaisaire, le pardon, l'amour et le partage, des bails qui est important. Toute valeur ça et l'école là toujours d'Abdoulan, ouais, on ne pas respecter pays, il y a un concept et pour pas. Je pense que si au grand-fader, il va mettre les n'importe la caille par ailleurs, mettre les n'importe quel voisin son solution lié. Alors que les voisins, les deux n'importe quel voisin sale et devant la caille sale tout parce que avant tout, on peut apprendre pour caille pour la salle, on peut apprendre pour quartier, on peut apprendre. Ça fait une bataille de société, de famille. Bon, ça c'est valeur, problème sécurité. Ok. Et puis problème sécurité. Bon, par exemple, il y a deux âmes et femme donc, gap les âmes qui baillent. Par rapport à Zam qui baille, je suppose vous réalisez même le gain crime, pas autant crime que Zam qui baille. Ça veut dire que, n'est-ce pas jouer Zam, parce que ça, c'est ça, y a baille, mais n'est-ce pas sous Zam, non? N'est-ce pas sous travail? N'est-ce pas aimé à l'école, vous avez aimé l'autre mode de vie? N'est-ce pas aimé, là, vous senti que, vous sont l'autre monde dans la société, hein? C'est ça que fait. M'a dit que gain de fois les gouvernements sont méchants, l'État méchant, bon gens que les gérons c'est eu de monde comme ça pour le cas avoir un service sur les besoins. Et nous-mêmes nous avons dit que gain pile dans monsieur par exemple dans quartier populaire le tapito par exemple et entraînant musique ou qu'a servi avec la culture par exemple. Est-ce qu'on connaît que qu'on a un studio de musique c'est d'y résumer à un computer et à deux speakers. Bien sûr, il faut qu'il y ait des programmes dans le computer. Imaginez que dans chaque quartier populaire à côté, qui t'a gagné, par exemple, des quartiers qui chaud, ok, soit les âmes, et puis ou retirer attention à sous âmes, et pour même un programme de l'État, côté par exemple, pour faire des quartiers populaires cadeaux, des computers et des haut-parleurs, côté c'est pour son studio, ok, donc ou bah jeune non activité pour le faire, ou exemple là le faire musique, et pour même encore ou faire en sorte que et chaque quartier ça yo, ok, chaque mois on concert dans quartier ça bien précisément, et puis à la fin de l'année on concert côté que et tout quartier ça yo monter son même podium côté que wap élu et meilleur chanteur de la on fait des programmes pour retirer nèg sa yo nèg yo c'est pas zam yo besoin c'est zam yo bayo mais nèg yo besoin d'éducation nèg yo besoin et puis on pour camper pour flâner dans ville là nèg yo tapito superstar tant pour on zam borin nèg yo tapito un bon petit chanteur dans ville là tout pour n'a regarder tant pour gen zam nan yo c'est parce qu'il y a pas de programme pour la jeunesse pas grand rien pour les jeunes ils sont livrés à eux-mêmes et la situation est plus grave qu'on comprenne pendant m'a dit l'état des fois on a l'impression que misère tellement grave que même parents yo la gen jeune yo même les parents des fois yo pas fait travail pour défaire encore et c'est là que m'a surprend en pile monde en pile parents penser que Michel Martelly faut ouais j'aime m'occuper et petit moi jamais élevé li et c'est encore une fois c'est opportunité ça c'est chance ça que me voulez offrir toute jeunesse là tout haïtien et dernière question que me t'a répondre c'est des promesses à tenir mon cher dernier et auditeur ça c'est on son réalité que lié en pied monde briguer la présidence et yo faire promesse pour yo ka monter ça rele monde k'ap servi à do peuple là comme tremplin puis arriver son chaise bourrée puis Algérie a fait yo et dans le cas de Michel Martelly son monde qui était tremplin peut-être excusez-moi le destruit mais qui peut-être même sous les dire sous bêtise ou bien sous folie que le fait yo c'est ça qui était tremplin pour me venir on veut d'être des superstars et à travers ces vedettariat ça j'ai fait le tour du monde et j'ai réussi ma vie et me vivre dans grand boîte dans grand ville me fait danser Paris hein et me fait en pile bagaille
visiter les grands pays, me faire danser mieux à Guantou, comme je l'ai dit, et me visiter tout fait fond pays, m'a l'aise avec moi-même, et moi aider, m'a aidé depuis tantôt des années, moi aider sélection nationale football, m'aider la Croix-Rouge, m'aider Gonaïve, et zone qui était en bas inondation, m'a pour fond verrette, et m'aider l'école qui était effondrée dans Pétionville, et en fin de compte, sans compter. Nous pas qu'à énumérer. Donc l'idée maintenant pour Michel Martelly de briguer la présidence, c'est pas comme si la venir puis le personnel que la venir régler. Et ben personnel il a géré déjà. Et c'est ce qui me donne le temps maintenant et de vouloir remettre à mon pays, à remettre à mon peuple ce qu'ils m'ont donné, cet amour qu'ils m'ont donné pendant 22 ans. Et c'est une opportunité pour moi, pour me venir faire travailler ça et faire me demander un pile sacrifice tout. Parce qu'on est quitté, qu'on a marché libre, qu'on est en affaire de sécurité, il y a des gens qui pensent son gros baradier. Et je ne vais pas dire ça, il dérange, il vient avec les positions que je prends. Mais moi toujours, et moi je crois que c'est la première fois que je vois ça. Hein. Et l'homme des musiciens me dit, parle un président qui a prévu pas et ben moi même connais un balle de soir parle un musicien qui a prêté un président qui a prêté égal à lui-même qui a bon contact qui a en proximité avec population pour continuer à comprendre problème population de telle sorte que le cas transmettre les experts dont je vais m'entourer parce que je vais m'entourer d'experts de telle sorte que moi joindre travail là pendant que me continuer en contact avec population et puis je vais m'assurer qu'il y ait un résultat. C'est ça la chose la plus importante parce que travail en pile divorcé si Dieu gagne expert pas gagne résultat. C'est comme ne rien faire du tout. Je vous garantis des résultats. Et ceci, dès l'époque. D'ailleurs, je ne suis pas venu avec ce soir, je ne suis pas venu avec l'IASOEA. Moi, déjà, j'ai un programme pour les 100 premiers jours de Michel Martelly. C'est dans ce stade ça que je travaille. Moi, j'ai un programme pour les 100 premiers jours de Michel Martelly. Donc, je vous promets des résultats. Comptez sur moi. Je vous aime. Ayez confiance. Résultats, tête calée. Allez.